Salut tout le monde, c'est Artafa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci du coup on est là pour jouer à Black Ops 4 et du coup on va tester toutes les nouveautés qui sont sorties sur le jeu. Donc déjà il y a eu donc un nouveau DLC, donc il y a eu 3 maps multijoueurs et une map zombie. Donc voilà, ça dépend un peu de ce qu'ils font d'habitude, à sortir des fois de map par-ci, de map par-là, comme ils faisaient un peu au début du jeu. Et une map zombie, mais là du coup c'est donc ils ont sorti 3 et une map zombie, donc tant mieux, ouais. Tant mieux. Et du coup donc ça a l'air, enfin, ce DLC est totalement peut-être 100% zombies, mais ils ont mélangé le multijoueur avec le zombie. Donc voilà, il y a des maps qu'on avait déjà joué sur les anciens Call of Duty. Donc j'ai vu, il y avait les robots d'origine. Après sur Black Ops, il y a le robot de transit, ça c'est cool. Enfin voilà, donc comme je dis, voilà, ils ont mélangé, et en zombie ils ont sorti une map où il y a même Nocturne dessus. Donc je pense que voilà, ça va être un endroit qu'on peut visiter. Je pense pas que c'est que Nocturne. Enfin je sais pas du tout. Après tant mieux, hein, Nocturne c'était quoi, 2025 sur BO2, était super sympa. Voilà, donc du coup go marché de marre. Donc voilà, donc le nouveau spécialiste du coup c'est Reaper. Je trouve stylé, un peu je trouve plus stylé comme ça que sur Black Ops 3. Après sur Black Ops 3 il y avait plein de skins, donc c'était pas ça aussi, mais là je trouve stylé. Donc du coup là maintenant il a un minigun, il a plus sa faux qu'il avait dans au niveau de son bras. Là c'est directement un minigun. Voilà, donc je trouve qu'il a vraiment bien changé. Ça c'est dès le niveau 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, donc là il y a les skins, j'ai vu ça aussi tout à l'heure. Donc là il y a le skin fermier. Donc on peut prendre un multijoueur, ouais, vous avez vu, il y a la fourche et plus une faux dans son dos et dans son ventre. Donc je trouve ça stylé. Donc ça on peut prendre en multijoueur et en blackout si j'ai pas de bêtises. Le sniper, alors celui-là il change vraiment, regardez. Avec la main de. Je sais plus comment elle est, grosse araignée là des premières maps de Black Ops 4. Et le sniper est vraiment stylé, je le trouve. Enfin, ça change quoi, comparé à ce qu'on a. Ouais, bon, après il y a des skins, je vais pas tout montrer non plus. Je vous montre vraiment. Voilà. Serveuse du coup. Donc, vous avez vu, vous avez les couteaux et les ciseaux plantés partout. Donc ça, mais toujours, ça va être vraiment stylé d'avoir ça. Et du coup, j'ai aussi vu tout à l'heure, c'est où. Voilà, c'est ça. Donc du coup, maintenant, quand tu tues quelqu'un, donc dès le début, on a un corbeau. Quand tu tues quelqu'un, il y a le bruit d'un corbeau et son corps devient rouge. Là, c'est du coup la même chose, mais sauf que là, il y aura du magma. Et dès qu'il sera mort, il écrit façon, sauter les armes à feu, il remplace les sons d'impact. Voilà, donc du coup, il crame et en plus, son corps devient rouge. Et du coup, voilà, c'est jusqu'à 40. Et à la fin, on a un pot de vin d'arme ultra. Donc, c'est une arme du coup qu'on peut débloquer dans la valise. Voilà, du coup, aussi une nouvelle nouveauté, il y a eu les contrats. Donc, les contrats, c'est du coup, bah, si on fait des headshots, c'est ça. Hein, ouais, j'en ai déjà mis deux. Donc, j'ai mis éliminer 10 ennemis en utilisant votre arme de spécialiste. J'ai mis l'XP plus un largage. Et brouhaha aérien, faites 5 éliminations avec des séries de points aériennes. Pareil, 1000 XP plus un largage. Bon, après, il y en a plusieurs. Il est plus compliqué, là, on peut en avoir deux. Et là, c'est faire 4 éliminations, donc une quad feed entre autres, dans la barre des feeds. Et voilà, du coup, série de points. Je vais juste. Bon, c'est bon. Allez hop, on est parti. Du coup, voilà, on va découvrir les maps. Et voilà, donc je sais pas pourquoi, mais ce DLC m'a plus hypé que les autres. Voilà. Peut-être le fait que, comme je dis, qu'ils aient mélangé le zombie plus le. Le multijoueur, je trouve ça cool, et même la map zombie elle est assez stylée. Il y a aussi le, comme je dis, le bus, comment il s'appelle le bus, le bus, oh, Havana, elle était sur, ça me dit quelque chose cette map, comme ça où elle est on dirait ça map de BO3, je sais plus comment elle s'appelle, non c'est la BO1, je sais plus, comme ça on dirait un peu celle de BO1. Ah je sais plus si c'est... Ah merde, je sais plus, mais en tout cas il me dit quelque chose. Du coup là, comme je disais, voilà, ça m'a plus sapé parce que qu'ils aient mélangé le zombie et le map, mais tu jures, je trouve ça vraiment cool. Donc, let's go, du coup, on va prendre... Ouais, on va prendre... Non, attendez, on va changer un peu. On va prendre ça avec Zeraf, tiens. Ouais, si Zeraf. Voilà, donc, du coup, je crois que c'est celle de Bowen, je sais plus. Désolé, j'étais en train de dire un truc en plus, mais... je crois que c'est ça, c'est celle de Bowen. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre, aussi voilà, il y a la map d'origine aussi qui est sur en multijoueur. Donc pas toute la map, mais il y a les robots d'origine, je trouve ça vraiment cool. Et voilà, donc dis-moi vous ce que vous en pensez, donc si vous avez un peu testé. Mais voilà, donc ouais, c'est la map de B1, on est d'accord. C'est totalement la map de B1. Oui, c'est totalement la map de B1. Ok, voilà, il y a même ça aussi. Ah nickel, elle est bien cette map en plus. Oups, j'étais pas du tout, j'ai même pas vu du tout, hein, s'il y avait la map ou pas. Ouais, j'ai mis ça aussi, ok. J'ai bien silencieux, mais. Ah, c'est cool qu'il y ait cette map. En plus, attendez, j'ai la Galil comme ça, on va la prendre. Attendez, j'ai la Galil. Hop. Ça, moi, ça va faire plus stylé. Des années plus tard, on se retrouve sur la map avec la Galil.
Moi je sais pas si elle est puissante Nagali, j'ai pas. Ok, bien joué les gars. Là c'est de la MME, hein, si j'ai pas de bêtises. Là derrière. En tout cas voilà, donc je disais en plus avant que c'était. Mince, c'était zombie mélangé à du multi, mais là sur cette map il y a pas de zombie du coup. Mais je crois que sur les deux maps il y a du zombie. De toute façon on verra ça en vidéo vu que je vais faire. Ok, c'est un lié. Je vais faire une vidéo sur chaque map. Plus la map zombie. Je pense que la map zombie, le mieux c'est de faire un live. Et on va faire spawn nos alliés. Ouais, je pense que c'est quand même mieux. Après, pourquoi pas faire une petite vue, parce que de toute façon, perso, moi, dès que je commence une partie zombie, enfin les premières parties, enfin la première partie, c'est toujours. C'est très rapide quoi. Je sais pas où sont les spécialistes ou quoi. Donc c'est. Il y a un mec aussi en dessous derrière nous. Hop, bien joué. Attends, mais en tout cas, vraiment, c'est cool la Vanda sur. Enfin, revenir sur cette map sur Black Ops 4, mais c'est terrible. Je suis encore. Mince. Ouais, ils sont quand même bien nous rush les mecs. Mais voilà, dites-moi vous du coup ce que vous en pensez un peu pour l'instant de ce que vous avez testé. Même la map zombie, donc voilà, comme je dis, la map zombie, je pense faire un live. Parce que là, sans quand on fait une partie zombie, ça dure toujours longtemps. Bon, à part si on meurt dès le début, bien sûr. Bon, ce qui m'arrive souvent hein, d'ailleurs. Ah, je reste trop longtemps en fait. J'ai pas de silencieux, faut que je me dise ça parce que je rentre rush comme un ouf. Ouah, elle me fait pas. Hop, dégage. Elle fait pas la lumière rouge. Je sais pas si c'est allié. Non, c'est ennemi. Il m'a tiré dessus, c'est ennemi. Ok, allez, on va changer d'arme les gars parce que là, c'est pas fou. Hein. Le brouilleur est HS. Ok, petit kill. Je crois que c'était fantôme, enfin spectre. Elle est lumière rouge, elle me fond. A chaque fois, je crois que c'est un ennemi. Je crois même sur B1 il y avait ça aussi. Hein. Et je me trompais sur une lampe. Je sais pas si c'était cette map, mais je sais que sur un autre cavity, je peux faire savoir. Ah ouais, mais. Ouais, les mecs connaissent bien la map. Hein. Enfin, à chaque fois, il y en met toujours dans mon dos, c'est un problème. J'étais prêt à rush tout court encore. Ah ouais, c'est pas. Ouais, derrière moi, il y a deux mecs. Ouais. Ça ne passe point, ça ne passe point. Et. Le troisième mec en venant. Je crois que depuis tout à l'heure en fait. Ah non, c'est un mec. C'est un allié. Allez, on va essayer de faire un petit kill avec cette fois-ci. Voilà. Je l'ai détruit. C'est déjà mieux. Ok, bon, on a perdu. Je suis en combien? 29-20, waouh. Je suis mort 20 fois quand même, bon. À la fin, j'ai arrêté, j'ai parlé moins pour essayer de me concentrer. Bon, je suis quand même en positif. Ah oh, bah ouais, radé. L'exclusivité un peu. Elle est assez puissante quand même son arme. Ouais, elle est puissante. Elle est quand même assez puissante. Le mec, il a fait 4 kills du coup. Ouais, 2 balles. Bon, on verra bien de toute façon quand je l'aurai du coup. On testera ça. Peut-être c'est la kickam aussi, c'est un accéléré, donc peut-être pour ça aussi. Donc voilà, écoutez, première map du coup, donc celle de B1 qui est vraiment stylée. Bon, j'ai fait un score nul, je suis désolé pour ça. Mais voilà, je me rattraperai du coup après pour la prochaine partie du coup. Donc voilà, on va s'arrêter là du coup pour cette vidéo. Donc si je peux dire un truc sur la map, c'est que de toute façon c'est la map de B1. Donc je le mets déjà bien sur B1, donc que ce soit Black Ops 4. Elle est toujours aussi stylée, petite poignée, c'est cool.
Allez, on va prendre celle-ci du coup maintenant. Donc voilà, écoutez, genre, on va s'arrêter là du coup. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc, ce sera sur cette map. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner, partager, ça fait toujours plaisir. Et voilà, merci pour du coup le soutien. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!